Invasion de Sanchérib, fin du règne d'Ezechia. Après les trois chapitres précédents, qui sont propres à notre auteur, le récit se rapproche de celui de Deux Rois. Verset 1. Après ces choses. Deux Rois 18.13 et Ésaïe 26.1 disent, la 14e année du règne d'Ezechia. Voir la note dans Ésaïe. Pensa les forcer, Deux Rois dit qu'il les prit, mais notre auteur ne considère que le résultat final de l'expédition, la chute de la puissance assyrienne. Verset 3. Délibéra. Les mesures de défense prises à la suite de cette consultation ne sont racontées que par notre auteur, mais son récit est confirmé par Deux Rois 20.20 et Ésaïe 22.8-11. Les sources d'eau, littéralement, les eaux des sources. Verset 4. Le torrent qui se répandait, le guillon, qui coulait à ciel ouvert dans la vallée de Ben-Hinnom. Les rois d'Assyrie, pluriel rhétorique, comparé 2 Chroniques 28.16 et 2 Chroniques 30.6. Verset 5. Partout où elle avait des brèches. Les travaux d'Ozia, 2 Chroniques 26.9, et de Jassum, 2 Chroniques 27.3, pouvaient n'avoir pas réparé entièrement le dommage raconté 2 Chroniques 25.23 et d'autres dégâts s'étaient sans doute produits. L'autre muraille, comparé Ésaïe 22.9. Mio, comparé 1 Chronique 11.8 et 2 Samuel 5.9, note. Verset 6. À leur cœur. Voir Genèse 34.3. Verset 7. Car avec nous. Comparé 2 Rois 6.16. Verset 8. Un bras de chair. Comparé Ésaïe 31.3, Psaume 20.8 et suivant. Verset 9. Après cela. Notre auteur omet l'épisode raconté 2 Rois 18.14-16, dans lequel Ézéchia joue un rôle peu glorieux. Nos versets 9 à 21 correspondent à 2 Rois 18.17-19.37, qu'il résume. Les Kis, voire 2 Chroniques 11.9, note. Tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem. Ceci suppose que les habitants de plusieurs des villes assiégées par Sanchérib, verset 1, s'étaient réfugiés dans la capitale. Verset 11. Comparé 2 Rois 18.27. Verset 12. Comparé 2 Rois 18.22. Verset 13. Voir 2 Rois 18.29, 2 Rois 18.33-35. Verset 16. Notre auteur résume dans ce verset tout ce qu'il n'a pas donné du contenu de 2 Rois 18.19-25, 2 Rois 18.27-35 et 2 Chroniques 19.10-13. Verset 17. Une lettre, comparée 2 Rois 19.14. Verset 18. Verset entre 18 et 19. Voir 2 Rois 18.26-35. L'ordre suivi par notre auteur est celui des matières plutôt que l'ordre chronologique. Verset 20. Le récit de Deux Rois ne mentionne pas le fait que le prophète s'associa à la prière du roi, en revanche, il nous donne cette prière et la réponse que l'Éternel y fit par la bouche d'Ésaïe. Comparé 2 Rois 19.14-19, 2 Rois 19.20-24. Verset 21. Voir 2 Rois 19.35-37. Verset 22. Aller de côté et d'autre, en opposition à l'état de siège, verset 10. Verset 24. Résumé très bref de 2 Rois 20.11. Verset 25. Son cœur s'éleva, comme celui d'Ozia, 2 Chroniques 26.16. Il s'agit de la conduite d'Ézéchia avec les ambassadeurs babyloniens, 2 Rois 20.12 et suivant. Verset 26. Comparé 2 Rois 20.19. Verset 27. Comparé 2 Rois 20.13. Verset 28. Troupeau à parc. Il fit des étables pour les troupeaux même qui peuvent passer l'hiver en plein air dans de simples parcs. Verset 30. Et c'est lui, comparé verset 1. Cette importante entreprise est rappelée ici une seconde fois, comme dans 2 Rois 20.20. Verset 31. Et ainsi, en raison de l'orgueil que lui avait valu sa prospérité, verset 30, et en vertu du principe que Dieu abaisse qui s'élève. Du prodige qui avait eu lieu, le signe du cadran d'Achaz, 2 Rois 20.8-11. Cette idée est propre à l'auteur des chroniques. Ce prodige était de nature à frapper les Chaldéens. Verset 32. La vision d'Ésaïe. Comparez notre introduction. Verset 33. Lui rendir honneur, peut-être de la même manière qu'à Asa, comparé 2 Chroniques 16.14.